Après 10 mois de formation, la 7e promotion de médiateur professionnel formé par l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, en abrégé UCAO, a reçu ses diplômes. Avec pour parrain le président de l'Assemblée nationale, les 25 membres de la promotion arc-en-ciel ont reçu leur parchemin des mains d'illustres invités comme l'archevêque métropolitain d'Abidjan, président du conseil de gestion de l'UCAO. C'était le samedi 19 novembre à Cocody. Le reportage de Philippe Zabo et Ézéchiel Séry. Un chrétien catholique de surcroît cardinal et un imam se donnant la main. Son éminence cardinal Jean-Pierre Coutouin et l'imam Bouraïma Touré. Cette image résume en elle seule ce que devait être le résultat d'une bonne médiation, c'est-à-dire vivre en bonne fraternité. Cette image a été captée lors de la sortie officielle de la 7e promotion de médiateur professionnel de l'Université catholique d'Abidjan. Tous les participants à cette cérémonie reconnaissent l'inhérence de la médiation à toute société humaine, surtout pour notre nation ivoirienne. La médiation pour l'Assemblée est vraiment un instrument, je dirais, de règlement des conflits, surtout qu'en Côte d'Ivoire, les conflits sont sociaux, sont professionnels, sont économiques. Et donc, pour nous, ouvrir une filière pour la médiation est encore un instrument de renforcement de la capacité, de la cohésion. Et l'Assemblée vraiment n'est pas en reste. Donc, elle vient apporter son soutien aux différents acteurs donc, de cette promesse de la médiature. Il faut dire qu'il y a des conflits à tous les niveaux. Et ces conflits-là, vraiment, je pense que la médiation, si les Ivoiriens comprennent ce que c'est que la médiation, aujourd'hui, on peut régler tous, on peut résoudre tous ces problèmes sans avoir de frustration. Pour rappel, l'UCAO est la seule université dans l'espace OADA à délivrer des diplômes en médiation. Et ils se font par le canal du Centre de recherche et de la formation professionnelle à la médiation, à l'arbitrage et à la négociation, CERFPOPMAN.